Nous entamons ce soir un rendez-vous hebdomadaire. Chaque vendredi, nous vous informons sur les travaux en cours autour du tramway et les perturbations de circulation. Actuellement, nous en sommes qu'au stade des déviations de réseaux souterrains, à savoir les canalisations, les lignes électriques ou encore les conduites de gaz, si bien que certains axes sont d'ores et déjà fermés à la circulation pour un temps déterminé. Exemple, le secteur du pont volant, cette route qui relie les deux Lyons à Jouy-les-Tours. Une déviation est mise en place par le quartier des deux Lyons, mais il est préférable d'emprunter le périphérique ouest pour rejoindre Jouy-les-Tours. Les travaux doivent encore durer 2 mois et demi. Une autre avenue fermée à la circulation, il s'agit du boulevard de l'Europe entre la rue Sapaillé et le carrefour de la Marne, vous le voyez à l'image. Déviation mise en place par les rues Sapaillé et Belgique, durée prévue 3 à 4 semaines. Il y a d'autres zones concernées par ces travaux. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site internet tram-tour.fr.